Salut les optis, c'est ProTeam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle nous allons parler de l'aventure de Zéro que je vais mettre en place. Je vous laisse un fond de l'aventure qu'on a pu commencer en stream, mais je referai des vidéos plus détaillées plus tard. Là, c'est juste pour présenter le projet. Si vous voulez suivre en temps réel, c'est sur Twitch que ça se passe. Sur la chaîne, je ferai des résumés au fil du temps, tranche par tranche, avec des commentaires vocaux. C'est parti! Alors, pour commencer, quelle est la raison de cette aventure? Comme j'en ai parlé dans l'article que j'ai récemment sorti sur le blog de Château Fou, j'avais proposé à Xelino, il y a de ça un petit moment, de se lancer dans une aventure monocompte, 2-0, dans le but de jouer sous d'autres aspects du jeu. Un peu plus axé RP, bien plus difficile, sous un autre angle de vue, de l'opti pur et dur, etc., etc. Pour permettre au nouveau d'avoir un comparatif et des idées pour reprendre la version de 0, et de plus, en monocompte. Ce que j'avais pas fait depuis Mathusalem. Récemment, il me l'a reproposé de son côté, je me suis chauffé, je me suis dit que c'était le moment parfait, ça permettra d'avoir une aventure suivie monocompte sur la chaîne. Comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent reprendre, c'est un bon moment pour la chaîne en plus. Ils pourront aisément, en s'identifiant et en profitant de nos conseils, notre petite feuille de route qu'on fera petit à petit. Ça permettra aussi de diversifier le contenu et de redécouvrir le jeu sous une autre forme. Enfin bref, c'est parfait comme je le dis depuis tout à l'heure. Vous allez voir que ça va aussi permettre de s'amuser en jouant des classes assez originales, dirons-nous. Ceci étant dit, ça me permet de faire le lien logique avec la partie 2. Quel personnage allons-nous jouer? Commençons par le mien. J'ai tout simplement choisi le SRAM. Oui, j'ai pas bégayé, j'ai bien dit SRAM. Vous savez le perso qui pose des pièges là? Celui qu'on voit... jamais en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, pourquoi le SRAM? Je vais argumenter comme dans le blog pour vous donner quelques bonnes raisons. Ces raisons sont majoritairement subjectives, mais tiennent tout de même à une certaine logique. Alors la raison numéro 1, c'est une classe qu'on voit jamais. Rien que cet argument suffirait à me faire faire une aventure dessus. C'est à la fois original, inconnu, flou, et c'est ce qui peut m'intéresser, comme beaucoup d'ailleurs. Ce qui est pas vu très souvent intrigue, mais moi je suis curieux d'en apprendre plus sur la classe. Pourquoi pas la maîtriser pour l'utiliser bien plus tard en PvP ou autre. Raison numéro 2, c'est la première classe de ma vie. Et oui, à l'époque, j'avais un SRAM sur un point truc bidule truc. C'est pas une raison valable, c'est complètement subjectif, mais ça va me rappeler la bonne époque. Raison numéro 3, c'est une classe avec un très bon potentiel de burst. Quand on y pense, on a des pièges surpuissants, des réseaux qui peuvent surprendre et changer des gameplays habituels à base de boost, boost, explos. Et puis même, c'est sûrement du coup la classe qui peut faire le plus de dommages en un tour avec ces mêmes réseaux. Vous mettez un réseau sur toute la map, et puis vous faites du moins 50 000. Donc y a pas mieux en fait. Puis la fameuse attaque mortelle qui est je crois le deuxième sort le plus violent du jeu, en coup critique après la coco si je ne m'abuse. Et même si je me trompe, ça reste l'un des sorts les plus violents en CC, et ça, ça peut apporter du suspense au gameplay. Parce que sortir un critique à moins 1000 alors que t'attends à faire du 150, à level équivalent, ça peut être sympa. Raison numéro 4, l'invisibilité. À elle seule permet de faire des choses qu'aucune autre classe ne pourrait faire en fait. On l'a vu sur 2.0 avec des solotages de donjons très HL, avec des SRAM 80, alors que d'autres galéraient avec deux persos au petit 200. Enfin c'est peut-être pas aussi comparable ici, mais ça peut, et je dis bien peut potentiellement, permettre de faire certaines choses encore une fois bien sympas. Raison numéro 5, c'est évidemment une classe unique. Vous allez me dire que chaque classe est unique, et je vous répondrai que oui, mais non. Chacune a ses spécialités. Certaines peuvent faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Prenons l'exemple de Lenny. C'est évidemment une classe spéciale pour ses soins, hein, j'apprends rien à personne. Pour autant, elle n'est pas unique puisque la totalité des classes peut se soigner. Pas autant, certes, mais peuvent se soigner. Donc se régène que ce soit avec des sortes de heal, de vol de vie, des cacs, vol de vie, des effets, etc., etc. Je dirais donc que pour moi, les seules classes uniques parmi lesquelles j'avais le choix, c'était le SRAM, le Feka, l'Ossa et l'Eka, pour leur gameplay unique comme je l'ai dit. J'ai donc pas choisi l'Ossa puisque ça rallonge vraiment les combats. Le but est pas non plus de mettre des bâtons dans les roues. Hein. J'aurais pu jouer sans invoque bien sûr, pour compenser, mais du coup ça perd tout son intérêt. J'ai pas non plus choisi l'Eka puisque ce sera ma première team de zéro. Et je dis bien team de zéro parce que je vous en avais parlé. Et c'est pas du monocompte cette fois. Donc il me fallait en choisir une autre. Le Feka, vous allez comprendre juste en dessous pourquoi j'ai pas choisi le Feka. Et du coup il me restait plus que le SRAM. Passons maintenant au perso que jouera Xelino. J'ai donc réfléchi de la même façon que pour le premier, il me fallait donc choisir une classe à la fois originale, etc. Enfin, vous l'avez compris, qui respecte plus ou moins les mêmes critères que précédemment, mais cette fois-ci avec un attrait en plus, la synergie. Parce que oui, jouer deux classes c'est cool, mais jouer deux classes qui se complètent, c'est potentiellement un gain de temps phénoménal.
Pour vous imaginer un peu la chose, prenez mon SRAM et prenez un OSA, on respecte tous les critères, mais nous nous retrouvons avec une synergie négative. Je vous dis ça en prenant bien sûr le fait que si on joue OSA, comme je l'ai dit, c'est pour le jouer invo, pour respecter la condition de l'originalité. Si on le joue full boost et full frappe du crack, c'est marrant 5 minutes, c'est pas original, et en plus de ça, le joueur qui joue l'OSA devient une mule à boost, donc non merci. Revenons donc au fait que si nous le jouons full invocation, celui-ci va devoir invoquer, bravo Captain Obvious. Et si celui-ci invoque, imaginez deux choses. Vous allez comprendre avec deux mots très simples. Piège plus invocation. Bah oui, ça fait pas forcément bon ménage. Bizarrement, l'IA des monstres, on en a rarement confiance. Alors si c'est pour que les invos sautent au kill et qu'en plus elles enlèvent les pièges posés sur le terrain, autant se tirer une balle dans le pied en début d'aventure. Enfin bref, comparaison un peu trop longue, je parle trop comme d'habitude. Passons directement à la classe que j'ai trouvée. Le Fekka. Comme je vous l'ai dit plus tôt, celle-ci respecte tout, je vais pas refaire une explication de 3 heures, mais on a l'originalité, etc. On la critique tout le temps, donc on va pouvoir être objectif après l'avoir bien exploitée, et elle est plus rarement jouée que la plupart des autres classes comme le SRAM, mais par contre, elle a ce petit truc parfait en plus, la synergie comme je vous l'ai dit. Alors en quoi c'est synergique? On va prendre cette fois-ci aussi quelques exemples concrets. Une situation banale, le SRAM pose des pièges, le Fekka ses glyphes, et bah voilà, fin de l'exemple. C'est simplement que c'est complémentaire en fait. L'un peut être posé dans l'autre. Donc on peut créer des combos qu'on a, je pense, jamais vus. Personnellement, j'ai jamais vu de glyph plus réseau de pièges sur un même endroit. Enfin, ça peut faire des trucs bien sympas. On va prendre une deuxième situation, le Fekka met ses boucliers. Quand on est plus protégé, le SRAM met son invisibilité et son invisibilité d'autrui. Quand ils ne sont plus ni l'un ni l'autre sous invisibilité ou sous bouclier, si ça arrive, on a encore la synergie précédente avec des pièges et des glyphs. Mais cette fois-ci, nerf PA, nerf PM, donc la synergie, comme vous le voyez, elle est assez safe et potentiellement très présente. Comme troisième situation, nous avons le burst, ici aussi potentiel des réseaux, de glyphes, pièges, en rejoignant encore le premier point, mais cette fois-ci pour le rocks potentiel en un tour. Il y a des choses à theorycraft et à tester, ça c'est pas le souci, vous me faites confiance, je pense, mais on fera des trucs bien sympas. Bon, vous l'avez compris, on est sur quelque chose de très satisfaisant. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner sur le long terme et je vous ferai ça sous forme d'aventure suivie petit à petit. Pas de date ou de jour précis, mais ça se fera au fil du temps et sur une longue période. J'espère que le concept va vous plaire. Je ferai en sorte de donner une sorte de feuille de route, comme je vous l'ai dit, pour que les débutants puissent avoir une série de vidéos à regarder pour progresser et s'y retrouver en monocompte. À la fin de chaque vidéo, j'essayerai aussi de mettre un petit résumé pour que ce soit plus simple et plus résumé. Ça porte bien son nom. Je vous souhaite à tous un très bon farm et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye !